Quelle semaine! Je suis passée par toutes les émotions. Le désarroi, les doutes, la peur, l'espoir. Petit retour en arrière. Vendredi 1er septembre, mon premier prime. Vos professeurs vous ont noté sur ce prime. Elfie, tu es la dernière du classement. Les profs avaient tranché. J'étais complètement abattue. Pour moi, c'était une totale remise en question. J'ai 30 ans et j'ai bossé dur pendant 10 ans pour avoir ma place ici. Qu'est-ce que je devais faire pour remonter la pente? Une seule réponse, réussir les évaluations. J'ai loupé mon premier prime. Mais je suis là pour apprendre. Et je compte bien ne plus me faire prendre par ma peur et mon cœur qui tremble. J'ai rien, elle a pas d'âme. C'est pas quelqu'un qui a le trac, c'est quelqu'un qui a la trouille. Je viens donc vous annoncer quels sont les 6 élèves qui ont obtenu les moins bonnes notes aux évaluations d'hier. Ces 6 élèves sont donc en balance et devront repasser l'évaluation de rattrapage de ce soir. À l'issue de cette séance de rattrapage, vos professeurs décideront quels sont les 3 nominés. Pour les 2 derniers élèves, on passe en dessous de la moyenne. Elfie, avec 9,87. Dans la vie, je me suis toujours battue. Et là, j'avais un défi à relever. Je devais briller et montrer aux profs de quoi j'étais capable. Car une chose était sûre, j'allais tout faire pour ne pas être nominée. Comme je l'imagine, il est malheureux. C'est qu'il se sent devenir vieux. Et vient le moment où finit mon rêve. Elfie, ta prestation sur le prime et ta première évaluation étaient très décevantes. Tu es une battante et tu devras nous prouver vendredi que nous avons eu raison de ne pas te nominer. Quel effort par rapport à l'interprétation que j'ai eue hier. Voilà, je l'ai trouvée plus sereine et plus investie qu'hier. Non, j'ai pas du tout envie que cette fille s'en aille parce que je crois que vraiment... Elle a quelque chose à faire encore ici. Et Elfie, à l'unanimité, ce qui est quand même une remontée qu'il faudra saluer. Je me suis battue, j'y ai cru, j'ai réussi à me dépasser. Aujourd'hui, plus rien ne pourra m'arrêter.